des étoiles pendant la journée. Je les ai vues de mes yeux, vues avec attention. Du soleil pendant la nuit. Je l'ai vu dans mon imagination. De la lune jour et nuit. Je l'ai vu m'éclairer le chemin. De l'air chaleureux et réconfortant, soufflé d'avenir sur mon corps. J'aurais voulu être une intellectuelle comme une femme savante. Mais j'ai raté. J'ai raté d'être savante. Je me souviens de ce salaud de patron qui m'a dit qu'on me demandera toujours la même chose que lui.
Enfin, prenez place, s'il vous plaît. Merci. Vous allez bien? Oui, merci. Les diplômes, vous les avez? Oui. Merci. Merci. Vous avez fait vos études au Maroc? Oui. Et pourquoi? Voir Maroc, ça me fait penser aux sardines Mohamed VI. Aviez-vous une bourse d'études? Non, c'est ma famille qui me prenait en charge. J'ai également un oncle en France. Ah bon? Il fait quoi là-bas? Il a un doctorat en technicien de surface et adjoint au responsable des ordures de la ville de Marseille. Je n'ai jamais imaginé que dans ce pays, il y a quelqu'un qui s'y connaît vraiment en lutte contre les ordures. Les ordures. Il y en a partout ici, pas vrai? Si, beaucoup. C'est une responsabilité énorme. On peut dire que toute l'hygiène des Français est sous la responsabilité de votre oncle. À mon avis, il doit gagner plus qu'un ministre digne de son nom dans, enfin, de ce pays. Évidemment. J'ai une question à vous poser. Allez-y, je vous écoute. Puis-je savoir pourquoi vous ne m'avez pas donné rendez-vous dans votre bureau pour l'entretien? Pourquoi cette question? Vous n'êtes pas bien ici, hein? J'ai pas l'habitude de fréquenter ce genre d'endroit. Alors, vous ignorez complètement pourquoi nous sommes ici. Exact. C'est pour que l'entretien vous réussisse. Vous devez me pousser à vous faire confiance. Je comprends pas. Moi, je ne doute pas de votre savoir-faire. Mais je dois m'assurer de ce que vous avez appris. Je sais que vous avez une maîtrise d'assistant administratif. Et une licence en communication. Je maîtrise le français, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le swahili, le comorien. Vous pouvez bien les vérifier sur mes... Vos diplômes, Kinaza. Me montrer des papiers ou des cartons décorés en noir sur blanc. Ça ne me rassure pas. Je dois m'assurer en quoi vous serez capable. Embauchez-moi et vous verrez les résultats. Non. Ce n'est pas une bonne idée, ça. Non. Je ne comprends pas. Moi, je ne doute pas de votre savoir-faire. Je sais que vous avez une maîtrise d'assistant administratif. Et... Vous me draguez, là? Vous feriez mieux de ne pas y penser. Parce que j'ai un fiancé. Moi aussi, j'ai une femme. Hein? Et des enfants. Kinaza, quand on a du travail, on lutte contre toute mauvaise chose existant dans la vie. Vous savez ça? Je sais. Le travail, c'est la clé de la vie. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Nous devons finir en rose cet emprunté, n'est-ce pas, bébé? Je vous interdis de m'appeler bébé. Calmez-vous. Dans le but d'arriver sur un point très important que vous méritez, je vous conseille d'être coopérative. Vous savez, dans toutes ces classes sales, hein, on vous prépare seulement à devenir lâche, naïf, parasite social, chômeur d'État. Ne me dites pas que vous n'êtes pas passé par l'école pour devenir ce que vous êtes. Oh, pauvre Kinaza. Vous savez très bien que mon cas est différent du vôtre. Les fautes
de ne plus accepter votre réalité. Vous faites semblant d'ignorer tout, même votre vie de femme. Vous m'obligez. Vous m'obligez à vous dire quelque chose que je ne voulais pas vous faire entendre, Kinaza. Hein? Allez-y, je vous écoute. Où que vous alliez, pour demander du travail, vous risquez d'être demandé le pire de ce que je vous demande à présent pour vous embaucher. Vous pouvez me croire. Ne pensez pas que je vais m'accroupir si facilement. Je n'ai pas un sexe à faire embaucher. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi tranquille. Votre dossier m'a beaucoup impressionné. Mais comprenez que j'ai aussi besoin de vous tout en entier, autant que de votre compétence intellectuelle. Vous comprenez? Je ne comprends rien. Depuis quand exige-t-on aux demandeurs d'emploi deux dossiers en même temps? Oublie tout ça! Mais vous devez tout simplement savoir qu'avec vos diplômes, vous ne serez pas recruté si facilement. De la même manière qu'on élit les chefs d'État dans ce pays des lâches. Sont élus comment ces chefs? On les vote à cause de leur grande gueule, leur savoir mentir et leur savoir détruire. Vous avez raison. Complètement raison. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes un connard, un fou, un malade, un modernisateur de l'esclavage, des marchands d'hommes, voilà ce que vous êtes. Mais vous vous énervez pour rien? Je n'ai pas accepté ce rendez-vous pour faire la guerre avec vous. J'ai voulu seulement négocier. Mais si vous choisissez de mourir chômeuse, puis devenir une marchande de chair intime sur les trottoirs des hommes infidèles, je comprendrai. Nous sommes dans un pays démocratique, un pays musulman modéré. Vous êtes malade. Vous êtes trompé de personne. Si jamais vous changez d'avis, je vous accorderai une deuxième chance. Mwana ngolindo ukaye hindwe Nguya hube furaha na afiae Kuzala bo mwana ngolindo ukaye hindwe Nguya hube furaha na afiae Na huomba mwana uhuwe ukaye hindwe Uke mkuba mwana wa huruma dahonie Na huomba mwana uhuwe ukaye hindwe. Moïse Consulting, allô? Ah, c'est toi Sophie? Ça va? Tu vas bien? T'es au courant? Ah, t'es pas au courant. Il y a un gros dossier. Un instant. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider, mademoiselle? J'ai rendez-vous avec le directeur. Pourriez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? Kinaza Jai. Ah, c'est vous, Kinaza? Le directeur vous attend. Veuillez en préciser. Merci. Ok, où est le projet? Je vais essayer de les contacter ce soir. Comme ça, on aura le temps de parler ensemble. Entrez. C'est Kinaza. Veuillez rentrer, s'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Merci. J'ai longuement étudié votre dossier, il est parfait. Je vous souhaite une très grande chance, mais ce qui me chagrine de mon côté, je vais devoir vous décevoir, car la boîte ne recrute pas encore.
Je suis désolé de vous, de n'avoir pas pu vous satisfaire. Si besoin est, on vous contactera. Ah mon Dieu, je n'ai pas de chance. Merci de votre franchise. Au revoir, monsieur le directeur. N'oubliez pas votre dossier. C'est de l'eau. Merci. Pour pouvoir vous aider à trouver du travail, je voudrais bien vous inviter ce soir ou demain. Comme ça, on aura le temps de pouvoir réfléchir ensemble. Merci beaucoup, c'est gentil à vous, mais je ne suis pas disponible. C'est dommage. La société ne s'intéresse plus aux dernières. Elle s'intéresse aux meilleures pour réussir à nous violer avec toutes les conditions imposées à la vie. Comment faire? Je suis une femme. Je veux vivre. J'aimerais bien me rendre utile dans la vie. Cotiser pour la société. Je refuse de dépendre encore de mes parents. Je refuse de compter sur mon futur mari. Je suis une femme. Je voudrais me payer ma beauté. Il me faut des bijoux. Que dois-je faire? Sacrifier ma vallée pour gagner tout afin que je sois une femme? Et si je sacrifie tout pour ne rien recevoir? Bon, qui ne tente rien n'obtient rien. Si je le veux, je ne serai pas la première à l'avoir fait, encore moins la dernière. Vous êtes là? Oui. Et vous me faites perdre mon temps. Vous êtes comme les autres. La notion du temps ne vous dit rien du tout. Et ça va même contaminer les étrangers. Je vous ai posé une question et vous vous êtes mis à critiquer votre propre société. Que me voulez-vous? Après la chasse que j'ai subie, me condamner à mort ou me punir comme un enfant sans défense? Vous savez. Le monde est un trou énorme plein de chantage. Que voulez-vous insinuer par là? Ceux qui refusent de voyager à bord du chantage échouent dans les zones internationales, dans les aéroports. Pourquoi est-ce que vous me dites tout cela? Parce que? Oui, parce que. Parce que quoi?
J'accepte votre offre. Quoi? C'est bien moi que vous vouliez, non? Oui, mais... Je ne comprends pas. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps avant de me répondre, pour me répondre? Je réfléchissais. Et croyez-vous avoir bien réfléchi pour me répondre? Oui. Et j'en ai eu la meilleure décision. Rien que pour la vie. Et quoi d'autre? Je veux réussir dans la vie active. J'en ai marre de militer aux côtés du chômage. Vous m'impressionnez. Je croyais que le meilleur chemin pour réussir dans la vie, c'était l'école. Oui, c'est l'un des chemins qu'il faut suivre, mais c'est insuffisant. Il faut avoir d'autres talents. Sans blague. Et voulez-vous épuiser tout votre talent de caresse, enfin, de m'amour, pour rester romantique? Croyez-moi, je ne veux pas être le symbole du chômage pour représenter les chômeurs, et non un parasite social. Embauchez-moi, chef. Je suis prête à tout assurer. La communication, votre corps, tout. Je dis tout. Mais qu'est-ce que vous attendez? Faites-moi signer un contrat. $50,000. En francs ou en euros? Francs comoriens. C'est un salaire misérable pour une secrétaire de haut niveau. Je n'avais pas imaginé. 200 000 francs comoriens. Avez-vous pensé à ma beauté? À l'ardeur de mes lèvres? Ainsi qu'à... Ok. Ok. Ça va, patron? Oui. 350 000 francs comoriens. Par mois. Tu es recruté d'office. Je signe. Je l'ai fait. Je l'ai fait pour en finir. Bien sûr, sinon je n'obtiens rien. Il suffit de faire une bêtise pour obtenir quelque chose. Maintenant je comprends. Parfois il faut être salope dans la vie. Sinon on n'obtient rien. Surtout dans le monde d'aujourd'hui que les gens vivent pour les donnants-donnants.
crois que tout le monde est salaud dans la vie? Pourquoi y a-t-il beaucoup de conditions à la vie? Kinaza, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas? Il a fallu que je me prostitue pour dénicher un job. Prostitution? Mais ce n'est pas de la prostitution que tu as faite. Tu as seulement mis ton corps en valeur. Donc j'ai bien travaillé. Alors je travaille. J'ai déjà commencé à travailler à partir de ma beauté avant que je sois conduite dans mon poste de travail. Mais bien sûr, beaucoup de femmes l'ont fait avant toi. Et puis elles le font d'ailleurs. Elles le font toujours. Ça va?
mon avis, tu dois être enceinte. C'est bizarre, hein? Je n'ai jamais cru qu'un jour je serais enceinte. Et si j'avais vomi mon enfant? Tu es bête. On ne vomit pas un enfant, on l'avorte. On m'a toujours dit que l'amour commence par un bisou et ça finit par un enfant. Tu as fini? Ah, patron chéri, tu es là? Je voulais... Arrête de bouder! Tu as fini ou pas? J'étais à deux doigts de finir et... Et quoi? Ça se voit qu'il veut détester toi. Et quoi encore? J'ai eu un malaise. Les fournisseurs attendent de ce dossier depuis 2 mois. Tu crois qu'ils ont toute leur vie à attendre? Au lieu de t'occuper des choses essentielles, tu t'amuses à télécharger des films pornographiques sur Internet. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas fan de pornographie. Ma photographie, oui. J'aimerais bien te croire. Mais la facture du téléphone qu'on vient de payer me retient. Tu peux m'expliquer ce numéro de longue distance? Comment t'expliquer? Tu oublies que souvent tu dors avec le téléphone à l'oreille. Soit. Désormais, tu téléphones quand je t'ai de téléphoner. Quant à tes amis, ils doivent t'attendre dehors. Si elles veulent vraiment te voir. Au travail. Thank you.
me sens pas bien. Va voir un médecin. C'est sérieux. Je suis malade et tu dois le savoir. J'ai comme l'impression que tu me prends comme ton père ou pour un médecin. La seule chose que je tenais à le savoir, je l'ai déjà su. Qu'est-ce que tu en as su? J'ai recruté une nulle. Comment oses-tu me traiter de nulle? Parce que tu es une bonne à rien. Ah ouais? Je ne savais pas que lorsqu'on tombe enceinte, on devient nulle. Quoi? Que tu... Je suis enceinte. Tu as bien entendu. De qui? De toi. Quoi? Qu'est-ce qui te fait croire que je suis ton metteur enceinte? On a fait l'amour et je l'ai tout de suite senti. Voilà. Ah, tu l'as senti. Tu l'as senti, je ne dirais pas le contraire. Mais tu penses pas que je devrais le sentir moi aussi s'il était réellement moi? Mais il n'y a que les femmes qui sont capables de sentir cette chose-là quand elles se placent dans le ventre de la femme. Et seules les femmes sont capables de connaître les pères de leurs enfants. Eh bien, cherche. Continue à chercher, tu dois chercher. Et tu finiras par trouver. Qui cherche, trouve. Et finalement, tu trouveras le véritable père de ton fœtus. Tu es le père de ceci. Ah non! Je ne veux plus l'entendre. Je ne compte plus l'accepter et l'admettre. Tu veux me voler, hein? Hériter de mes biens. C'est ça ce que tu veux? Je te signale, tu n'auras rien. Qui a parlé de richesse? Je ne suis pas matérialiste. Parlons de grossesse, mon chéri patron. La dernière fois qu'on a fait l'amour, ton visage était brillant. Ton corps était chaud à brûler et solide à craquer. Tes nerfs étaient gonflés de sang chaud et de désir. C'était la première fois que je t'ai vue comme ça. Et rappelle-toi qu'avant que tu me prennes comme une bête sauvage dans ton filet de caresse, oh, tu m'as dit, chérie, permets-moi de voyager à bord de ton gracieux corps. Et soudain, j'ai vu les cieux et les cieux. Soudain, j'ai vu les cieux et les terres se rencontrer. Arrête. Arrête de me convaincre avec tes histoires, pas possible. C'était mon premier amour. Tu m'as habité de la même façon qu'un envahisseur qui a violé une frontière. Ensuite, tu as commencé à délirer. Par la suite, tu as déchiré mes articulations. J'ai des courbatures. Je ne sens pas mon corps à part ma tête. Tout se passe dans le cerveau. Je vole. Ah, je tombe. Et pendant ce temps-là, je te caressais la tête pour calmer ton agitation. C'est à ce moment-là que le spermatozoïde se joignit à l'ovule. N'oublie pas que tu ne portais pas de capuchin, hein. Tu n'as d'autre dessein que celui de me ruiner, me détruire,
Tu veux ruiner ma réputation. Vas-y, crever avec ton bâtard. Un bâtard? Comme si je ne connaissais pas qui est son père. Même les femmes seules ne font pas des bâtards. Écoutez. Moi, j'ai une femme et des enfants. Elles sont en France. Eh bien, s'ils apprennent que j'ai eu une aventure avec d'autres femmes, avec mon employé, ils seront malheureux, s'il te plaît. Tu dois penser un peu à moi. Je ne te demande pas de divorcer ni de régner à tes enfants. Ce sont tes chers. Tu dois les chérir à jamais. Et qui dit que tu n'es pas allé voir ailleurs? Tu sais, je n'ai pas eu le temps de coucher avec un torchon pendant que je m'occupais de toi, ma serviette. Ok. Supposons. Supposons que je sois le père de ce futur homme. Mais. On n'a pas à supposer. Tu y es le progéniteur de ce sang. Tu y l'es et tu le resteras pour toujours. Comme vous voulez. Comme vous voulez, mais. Tu me vouvoies maintenant? Quelle distance! Tu vas me laisser parler enfin? Je ne tiens pas ta langue, figure-toi. Bon. Comment dit-on? Comment dire? Bien. Je vais t'amener chez le médecin. Il te faut un gynécologue, Kinaza. Pour me faire quoi? Une écho ou un test de sang anticipé? Tu es notre Sarko du Sud. Pour avorter cette honte, oui, je suis d'accord. Non, pas question. Mon enfant n'est plus une honte. Mais ce n'est pas encore un enfant. Ce n'est qu'une petite boule de honte. Allez l'enlever. Lâche-moi. Je refuse d'avorter mes entrailles. C'est mon sang. C'est ma chair. Ce serait mon tout premier bébé. Je vis, il vit. Je meurs, il meurt. Et que fais-tu de ton fiancé? Tu m'avais dit que tu avais quelqu'un dans ta vie. Tu crois qu'il va t'accepter comme ça? Avec un enfant bâtard en charge? Je lui expliquerai. Ce sera donc à lui de décider, pas toi. Accepter la mère d'une fille qui ne soit pas vierge. En plus, et moi, mon clandestin en charge. C'est insupportable. Il faut pas rêver. Je ne rêve point. Je suis belle et bien dans la réalité. Car je sais que c'est toi qui as pris ma virginité. C'est toi qui m'as engrossée. Toi qui en assumeras les conséquences. Écoutez-moi bien. Tu dois bien écouter. Hein. Moi, je suis un descendant d'une des grandes lignées de ce pays. Il n'y a que des notables. Alors, ça serait mal vu, mal entendu, mal dit, mal compris. Si on apprend seulement que
J'ai accouché avec mon employé, mais aussi avec une paysanne. Le pire, ça serait si on apprend que... Que quoi? Que j'attends un enfant de toi? Tout le monde saura que tu es le papa de mon enfant, dès qu'il verra le jour. Depuis la maternité jusqu'à l'état civil. Je ne me laisserai pas battre comme un fer chaud. Il fallait pas m'échauffer. Si tu te prends pour un forgeron, pour moi, tu n'es qu'un amateur. Je te donne 2 millions pour m'oublier. Quoi? 3 millions. Comme ça, tu attendras bien. Je n'ai pas besoin de ton argent. Mais que me voulez-vous enfin? Hein? Ma richesse ou ma mort? Je ne veux ni ta mort, encore moins ta richesse. Seulement, je veux que tu acceptes la paternité de ce fœtus. Un point, c'est tout. C'est absurde! La honte! La folie, c'est inadmissible! Finalement, vous n'êtes qu'une garce, une sorcière, une pétasse, une salope. Je vous donne 10 millions, sinon... Sinon quoi? Je ne suis pas une esclave. Si! Vous en êtes bien une, misérable, diabolique, déesse de malheur et déesse de chantage. Finalement, vous êtes l'affaire. Vous avez répandu le malheur dans mon bureau. Quittez mon travail. Quittez mon bureau. Je ne peux jamais négocier avec vous, malgré votre beauté. Vous m'avez trompé. Quittez mon travail. Quittez mon bureau. Les femmes ont leur propre préservatif. Pourquoi vous n'êtes pas protégées? Misérable. Terroriste, diabolique. Allez, quittez mon bureau. Quittez mon bureau. Pas avant de toucher tout ce que tu me dois. Ma paye, si tu es un homme. Revenez demain. Non. Ne remettez jamais vos fesses ici. Elles sont insupportables. Dites-les bien. Mes payes. Oui, te paye. À quelle heure? À 3 heures. Je les veux à 8 heures du matin. Dans le cas contraire, je viendrai moi-même chercher mon argent. Et surtout, n'essaie pas de m'envoyer un chèque. Oui, ça sera du liquide. Mais n'oublie pas que vous avez déjà pris une avance de 100 000 francs. Je suis là. Je suis là.
La femme a dit que c'est un peu plus de temps. Elle a dit que c'est un peu plus de temps. Elle a dit que c'est un peu plus de temps. Elle a dit que c'est un peu plus de temps. Elle a dit que c'est un peu plus de temps. Elle a dit que c'est un peu plus de temps. Elle a dit que c'est un peu plus de temps. Elle a dit que c'est un peu plus de temps. Elle a dit que c'est un Kena kiri, kena kiri. Abu ngi la demu tsaya fanya chetendo hicho. Aja kana tizo mlima uwe mba mlima hiyo. Shemo na huku kana umuja. Yabu fikiri. Fikiri ndo fikiri nai. Shabu fuwadi kana uja wadako niyo. Kana umuja, kana umuja. Abu arjali ya naruna na hiyo. Ina lillahi wa ina ilajo. Iba imufanya jihaba. C'est au champ. Oui, ok. Qu'est-ce qu'il a, papa? Ta mère est là? Non. Je vais au champ prochain pour le voir. Il y a quelque chose qui cloche. Tu es là? Tu m'as fait une de ces peurs. Tu as répandu le malheur dans notre famille. Qui a-t-il encore? J'espère que je n'ai rien fait de mal. Hein? Sinon, qu'est-ce que tu veux dire encore? J'ai rien fait de mal, non? Tu es responsable de la mort de nos parents. Ah non, tu peux laisser un peu ces histoires-là. Tous les jours, tu me répètes la même chose. Oublie un peu cette histoire. Tous les villageois savent que tu es responsable de la mort de nos parents. Ah non, tu peux me laisser un peu tranquille? Je suis fatiguée, tu ne vois pas? Tu m'accuses des choses comme ça? Ah, je pensais que tu étais mon frère. Sale maudite. Quoi? Dehors, je t'ai dit. Ah non, arrête, t'es pas sérieux. Bon, attends-moi. Si seulement je pourrais me retrouver seule un peu, vivre dans la paix. Dehors! Arrête! Je t'ai dit dehors! Tu vois pas que je suis pas... Dehors!
Va-t'en. Si, attends. Nazael doit être belle. Moi aussi, je dois la voir. Je dois la revoir. Je dois voir mon fils, ma fille, mon enfant, enfin, notre enfant. Mishina! Mishina! Oui? Va me chercher Kinaza! J'avoue que tu me chatouilles. Sans m'avoir touché. Cela fait combien de temps que vous ne vous êtes pas intéressé à moi? Qu'est-ce que vous a pris tout d'un coup? C'est l'envie de voir qui m'a hanté. Mais pourquoi ce vouvoiement? Devant moi, je ne vois que l'inconnu. Arrête de me faire souffrir encore. Souffrir? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est la souffrance? C'est la sœur jumelle de la France. Écoutez, j'ai pas du temps à faire de blagues. J'ai beaucoup souffert, vous savez? Oh, Kinaza, c'est fini le malheur. Vivons le bonheur. Justement. Où est le bébé? Quel bébé? Le bébé! Notre bébé à nous! À partant d'ici, tu étais enceinte, non? Quand mes parents ont appris que j'étais enceinte d'un homme qui n'a jamais voulu se présenter devant eux, pour calmer leur douleur, c'était un grand choc. Une terrible honte. Le désespoir pour toute la famille. Le déshonneur pour toute la famille. Les gens de notre village nous ont insultés. Nous ont humiliés.
et mes parents n'ont pas pu supporter toutes ces humiliations. Et je crois vous avoir déjà dit que mon père était le cadet de notre village, n'est-ce pas? Si. Pourquoi? Il ne l'est pas? Il ne le sera plus jamais. Ah bon? Il est appelé à d'autres fonctions? Il est qui maintenant? Un mort. Il s'est suicidé dans le sixième mois de ma grossesse. Il avait honte. Je suis désolé pour ton père, Kinaza. Dans le septième mois de ma grossesse, ma mère a fait une crise. Qu'elle repose en paix, elle aussi. Toutes mes condoléances, Kinaza. Après la disparition de mes parents, j'ai été chassée de la maison par mes frères et sœurs, avec une grossesse de 8 mois. J'ai été accueillie par une copine à moi. Elle m'a ouvert les bras comme si c'était ma propre sœur. Ses parents étaient très gentils avec moi. Si ce n'était pas eux à l'heure actuelle, je serais morte. Et j'ai accouché. Dieu merci. Tu as accouché? Oui, j'ai accouché. Alors? Et alors quoi? Le bébé. Ah! Je pensais que vous vous intéressiez à moi seulement, pas le bébé. J'ai fait une césarienne et... Et quoi encore? J'ai fait un... Et quoi encore? Allez, faites un effort, Kina. Un mort-né. J'ai accouché un mort-né. Mon bébé est mort, je n'ai pas pu lui donner mon lait. Désolé, Kinaza, tout ça est... C'est ma faute. Je le sais. Je me suis comporté comme un animal devant toi, Kinaza. Je le sais. Vous avez beaucoup souffert, Kinaza. Ça, je le sais. Excusez-moi. Excusez-moi de tout ce que je t'ai fait, Kinaza. Mon bébé est mort. Mes parents sont morts. J'ai été chassée de chez moi. Je ne mérite plus de vivre. Non. Oublie la mort. Moi, je suis là avec toi. Je t'aime encore. D'ailleurs... Ma femme vient de divorcer avec moi. Elle a su que j'ai eu une aventure avec toi et que tu attendais un bébé. Kinaza, ma femme vit avec un blanc. Ne m'abandonne pas. Moi, je t'aime encore. C'est vrai que tu m'accordes? Oui, c'est vrai.
Tiens-moi encore. Je suis prêt à mourir pour toi, Kinaza. Vraiment? Oui. Ah. On va trinquer. Hein? On va trinquer. Mais super. Je suis partant. Kinaza! Mais qu'est-ce que tu as fait? Assassin! Je croyais que tu m'avais oublié! Je croyais que tu m'avais pardonné! Je te pardonne, mon amour. Crève, salaud! Crève, descendant d'une grande lignée! Je suis un pays sans histoire. Donc je suis indigne de vivre. J'ai perdu tout. J'ai tout perdu. Le goût, la vue, le toucher. L'ouïe. L'amour de tout vouloir faire. Pourquoi je l'ai tué?
J'aurais pu me venger autrement, non? Mon problème, c'est que je ne sais pas tricher. Faute de ne pas être capable de mentir, je me suis attribué un titre. La tueuse. Comment pourrais-je mener une vie de tueuse ? Wanji wapotea o.